C'est terminé les gars, c'est terminé. L'équipe de France est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde 2022. Mais alors, très belle performance de l'équipe de France, très belle performance des Français, top performance des Français et encore plus top performance de Kylian Mbappé. Waouh, sur cette deuxième mi-temps, il nous a fait plaisir les amis. Mais franchement, Kylian Mbappé, il a encore une fois de plus activé le mode Coupe du Monde. Mais waouh, Kylian Mbappé, 2 buts, une passe décisive, 5 buts dans cette Coupe du Monde à l'heure actuelle. Joueur le plus jeune à avoir marqué au plus de joueur le plus jeune à avoir marqué plus de buts avant ses 24 ans. Mais alors Kylian Mbappé, top performance, je suis trop heureux. Et quand on le voit, quand il marque son deuxième but, on montre sa maman, comment elle est joyeuse. Mais c'est ça l'amour d'une mère. C'est ça quand tu vois ton fils réussir dans la vie. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais plus sérieusement les amis, plus sérieusement, l'équipe de France a fait un match tactiquement et techniquement et physiquement en plus très 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 solide. Et franchement, j'ai peur pour les autres équipes. J'ai peur pour le Brésil. J'ai peur pour le Portugal. J'ai peur pour l'Argentine. Waouh, l'équipe, ces équipes-là qui vont affronter l'équipe de France dans les matchs à venir doivent avoir peur. Ils sont très forts. Ils sont très forts. Et même défensivement, ils sont très forts. Raphaël Varane, on a parlé, mais Raphaël Varane, il est à son max là, il a retrouvé son niveau d'antan, il a retrouvé le meilleur niveau qu'il peut donner, il est fort, et Hugo Lloris, il fait les parades quand il faut, quand il le faut, waouh, c'est magnifique, waouh, et en plus, on a retrouvé Ousmane Dembélé aussi qui est percutant. Ousmane Dembélé qui fait une passe décisive dans cette rencontre. Olivier Giroud, buteur dans cette rencontre. L'équipe de France, l'attaque de l'équipe de France est performante. Le milieu de l'équipe de France est performant. Et au moins dans cette rencontre-là, on a vu l'impact que a eu les entrées des remplaçants dans cette rencontre. Kingsley Coman. Très belle rentrée dans cette rencontre. J'ai beaucoup aimé Youssouf Fofana. Très belle entrée en jeu. Waouh. C'est normal quand tu entres dans un match où vous menez déjà 2-0, ce n'est que normal. Mais en tout cas, j'ai peur pour les équipes qui vont affronter l'équipe de France dans l'avenir. En tout cas, ils sont vraiment favoris pour la victoire finale.